Et bonsoir! Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps! Ça fait longtemps, longtemps, ça fait très longtemps. Merci beaucoup, Elfix. Elfix, il fait son cinquième mois d'abonnement. Hello, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, et toi? Ouh! Yo, Acromat, merci pour ton resub 6 mois! Bienvenue, bon anniversaire. GG Marius, comment tu vas Marius? Comment tu vas Elfix? Comment tu vas Acromat? Et Yorimus, oh la barbe est revenue. Mais ça fait longtemps qu'elle est revenue. Une semaine après l'événement, elle était déjà là. Oh là là, le train hype. Merci beaucoup Rémus pour ton resub. 10 mois d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Jeune sub, il y a de la barbe. Ah. Merci à nickel, ça va Elfix. Ah mec, bah écoute, ça va, Chromat, merci beaucoup. Putain, train live, c'est la première fois qu'on a ça, nous, ici. Un train live. Merci beaucoup, 94%, nice! On va découvrir, du coup, aujourd'hui... Oui, train live, c'est la première fois qu'on a ça, nous. On va découvrir Journey to the Savage Planet. Tabernacle. C'est... Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu un peu sympa, avec une petite... Une petite voix off québécoise. Et puis il a l'air sympa. Est-ce que bah on va le découvrir ensemble? J'en sais pas beaucoup plus que toi. Je sais que c'est rigolo, je sais que c'est joli. Je sais qu'il y a une voix off québécoise, c'est tout. What else? Ah par contre mon. Je voulais puber. Les petits bits! Do like bits? Merci beaucoup Rémus. High five bits. ouais, j'ai mon petit Facebook qui... Il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je voulais partager sur la page le live, mais tant pis, je le ferai un peu plus tard. Ils seront en décalage. Chez à eux. Alors, déjà, pourquoi vous avez pas le son de mes haut-parleurs? Voyons voir. Normalement, vous êtes censé entendre là actuellement la bande son du jeu. Allons découvrir ça. Ah ok, parce qu'en fait, il y a écrit que c'est le casque, mais quand je fais option, il y a écrit bah qu'y a rien. Pourquoi pas? Alors là du coup, voilà, maintenant vous avez la bande son là. Là vous entendez la musique du jeu là. Bah oui. Je voyais les barres qui bougeaient pas sur le. Sur la table de mixage. Il y avait écrit que ça prenait le haut-parleur. Et là j'ai fait un clic droit propriété. Il y avait écrit que ça prenait que dalle. Enfin, j'avais compris, hein, mais. Et voilà quoi. Du coup. Ça fait du bien de vous revoir en tout cas. Bon, Facebook toujours en PLS. On va se retrouver sur le jeu. Petit changement de scène, est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, ça, parce que j'ai rien testé. Hein, je... Déjà, là, quand j'ai voulu lancer le live, j'étais en train de réfléchir avec quoi je streamais. Mes revenus, Streamlabs OBS. J'ai cherché 10 minutes, ça qu'on est un peu en retard. Et du coup, là, on va regarder si le Stream Deck fonctionne toujours. Alors, jeu! Bon, ça fonctionne. On suit un peu moins. On suit un peu moins. Le fond vert est toujours là. Attendez, j'ai juste un petit message de ma copine. Je vais lui répondre. On connaît Pomi, hein. Pomi, ma copine. Longue histoire d'amour. Voilà. Ma notice préférée. Alors, bon, on va découvrir ça. Hein. Ah oui. J'ai baissé le son du jeu par contre. Je suis arrivé là. Vous voyez pas, ma table de mixage Windows, elle est à 50%. Ça m'a ruiné les oreilles. J'ai dit, bon, je vais d'abord le baisser. On va regarder les paramètres ensemble. On va découvrir ensemble. Ça, j'ai vraiment rien découvert. Hein. Déjà, hop. Appuyez pour commencer. Okay. Oula, oula, oula. Okay. Calme-toi. Il n'y a pas des options. Options, parfait. Audio. La musique. On descend là. Vous ne l'entendez plus. C'est normal parce que je peux la remonter sur Windows maintenant. Voilà. Je me suis au max. 50. C'est un volume général là, comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Parfait. Et les contrôles.
aide à la visée. De toute façon, si on verra après. Ok, ok, ok. Mappage du clavier. Ah, c'est en WASD. Je raciste. CDS. UD. Je joue aussi avec les. Ah non, les flèches pour regarder en main, ok. Sauter. Sauter. On mettait quoi sur les jeux d'habitude? Je ne sais plus. Je ne sais plus, on joue en quoi d'habitude? En WASD. Ah non, WASD. Mais non, c'est pas WASIM. Sauter, putain, je mettais quoi d'habitude? Je mettais, je crois que c'était. Je crois que c'était ça. De toute façon, on va le découvrir direct quand on va jouer. Que je vais faire les touches inconsciemment et je vais caler que c'est ça ou pas. Interagir eux, ça me va. Zen. Ah non, du coup. Du coup, non. Outil précédent, la molette, très bien. Grappin F, ouais, ça me va. Mêler E, ça me va. Mêler, interagir, c'est la même chose. Ça, ça va pas, ça. Mêler, on va mettre A, du coup. Rechanger R, ouais, classique. Piétiner, ok, contrôle, ouais. Analyse, ouais. Ok. Ça m'a l'air pas trop dégueulasse. saute, espace. Non. Pas espace, saute. Bon, je l'ai changé normalement. Attends, ouais. Mappage du clavier souris. Sauter. Non, c'est pas espace. Là, je l'ai enlevé. Parce qu'après, il y a le saut chargé alt. Putain. Il y a des touches que j'atteindrai jamais. Hein. Courir. Ça. Hello, IWS. Comment tu vas, la forme? Five, j'ai une réputation spéciale sur ton Discord. Oui, j'ai vu ça. Oups, attendez, je suis pas IRS. Ah. Ça, c'est Fly. Alors, du coup, un joueur. On n'a encore jamais joué. La façon normale de jouer à Journey to the Savage Planet. Pardon, le meilleur endroit pour commencer ton aventure. Fais l'ancienne avec un nombre de vies limité, un chrono. Non. Oh non, on va le faire en normal. Hein. C'est chill. Hein. Voilà, refly. Hein. Alors, là on a des jambes, on a des pieds. Salut, je m'appelle Martin Tweed, je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme Pioneer. On venait de là. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Ah, la quatrième meilleure. Moi, ça me rend malade. Batterie de panneaux solaires conçus pour les climats extrêmes. Bah, du coup, nous, on n'a pas de. On les voit pas. On sait qu'on allait voir. Nos chics vêtements sur lui, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! La prochaine étape, c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire, puis pour ça, on a besoin de toi. Nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. On peut tuer ça. Voici la tienne. ARY-26. ARY-26. Attends, moi, je sais ce que je fais un truc. À explorer la surface de la planète, on va laisser parler. Ses formes de vie, ses menaces et ses ressources. Et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kindred qui en feront l'analyse. C'est mieux. Moi sur elle, il n'y a pas de problème de pied. Tu m'étonnes. Préciser les objectifs pour toi et ton ami, si t'en as. J'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le séjour le plus sûr et le plus agréable possible. Mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement. Non, je voulais t'oublier quoi. Ou
Et tu as oublié Alfix. Mais pas de panique. Ton module d'habitation est équipé d'une imprimante 3D, capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu là. C'est... Ah, j'allais oublier. Toute ton essence a été utilisée pour le chemin entre la Terre et ta planète. Tu devras donc découvrir une ressource locale et la raffiner en carburant approprié. Je gagne. Bien sûr que tu décides de quitter la Terre pour toujours. Bon, je veux surtout pas gaspiller ton précieux temps. Je suis sûr que t'as très hâte de partir explorer. Je te souhaite bonne chance. On va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance. À bientôt et meurs pas là. Bisous. Ok. Ok, ok, donc attendez. Tu montes. On peut se faire des armes, des objets. Oh. Ouais, le truc, ok. Objet, ouais. Équipement, ouais. Sac à dos, ok. Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité, juste pour s'assurer que tout va bien côté santé mentale. Mais tout va bien côté santé mentale. Oh, le chargement est bug. Nouveau rapport. Alors, on dirait que tu as réussi. Bravo. Conformément au terme du contrat permettant aux employés de Kindred de bénéficier du programme expérimental, il est obligatoire de transmettre des rapports réguliers tout au long de ta mission. Commençons. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment, j'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. C'est un peu ça, Rémus. L'une de ces images est la photo de toi, mais laquelle? Ah! On prend quelle photo? On ressemble à quoi? On part d'en haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et après 6, 7, 8, 1. Vous voulez que je prenne quoi? On va à gauche, la deuxième, celle avec les lunettes d'aviateur, là. elle est pas mal, c'est vrai. On a la petite coupe mulet. Oh là aussi, c'est une belle coupe mulet, ça. Ouh, on connaît hein, le style. L'aviateur, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Ils sont beaux, mais de ouf. On va se prendre l'aviateur. Merci, je suis vraiment contente de voir que t'as pas perdu la tête. Pas vu le merci. Merci de ton attention, explorateur J75X321. C'est la fin du rapport. Appuie sur le bouton soumettre pour envoyer tes réponses au centre de données Kindred pour qu'elles soient traitées. Profite de ton aventure et reste en vie. C'est chiant le truc qui passe par-dessus, là, à l'ancienne, là. C'est chiant ça, on a du mal à lire. Message, vidéo, ok, message. Venu de la part de Kindred Aerospace. Par Kindred Aerospace. Bonjour, insérez le nom de l'explorateur. Ah! Bienvenue au premier jour de votre aventure extraordinaire. Nous sommes plus que ravis de t'accueillir sur, insérez le nom de la planète, tu es en rouage essentiel de la grande quête intersidérale Kindred, et tous nos espoirs reposent sur les courageux explorateurs qui, comme toi, retournent chaque pierre, scannent chaque petit brin d'herbe et étripent chaque bête à la recherche de précieuses matières premières. Afin d'enrichir notre base de données et d'offrir à l'humanité l'opportunité de rayonner et de prospérer à travers l'immensité galactique, toute son existence, l'humanité est restée prisonnière de la Terre. Nous pouvons élever la race humaine au-delà des confins terrestres. Nous pouvons peupler l'univers et nous avons besoin de toi sincèrement. Ok. Vidéo. Welcome. Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Pas ce qu'on a regardé juste avant. Merci de participer au programme. C'est ce qu'on a regardé juste avant. Là, t'es prêt. J'aurais pas de soucis, Rémus. Descends à l'étage inférieur et entre dans le téléporteur pour que je démolécularise un peu ta structure biologique et que je te recombine sur la surface de cette nouvelle et magnifique planète. Un toilette homme, un toilette femme, un toilette non-binaire là-dedans. Y'a Elfix qui passe niveau 4, GG Elfix seulement. Ah juste que t'avais rename, ça t'avait sauté tes niveaux ça. Oh, c'est joli là. Plutôt joli. Alors nous on était là-dedans. Bienvenue sur ARY26. Ça ressemble pas vraiment à une planète, on dirait plus un gigantesque champ de roche. Cette mission devient soudainement 10 fois plus intéressante et 2 fois plus dangereuse. Pour faciliter tes travaux d'exploration, le Javelin est équipé de plusieurs petits drones robotiques capables de scanner le monde qui t'entoure. Tu peux les faire démarrer en ouvrant le panneau extérieur.
Oh, par le chaleur, vous avez mis son suivi. Ok. Ok, ok. Bon, tu peux sauter du coup, le scan aussi. C'est pas... vraiment ce que je voulais. Parce que c'est tab, ok, de base c'est tab, ce qui m'a foutu ça aussi, je veux pas. J'ai pas envie que ça fasse des trucs chelous à chaque fois. Contrôle. Non, pas la manette, le clavier. Du coup, c'est quoi leur truc là? Reconnaissance. Oh non. Avec l'arme visée vers le bas, ouais. Ah, c'est le super chargeur. Une autre touche. Wesh, la cité Yozai, comment tu vas la farm? Mais je veux juste virer cette touche en fait. Ça sera R et R. Non, c'est shot. Mine! Là, on passe, on sait faire ça. Option, contrôle. Ou c'est sur autre chose? Il est où mon M4? C'est M5. J'ai vu ce que c'est ça. Ah, hop. Voilà. Ça, t'as pas le choix. Et là, maintenant, je peux enfin sauter tranquillement. Parfait. Et si je scanne, c'est tab. Parfait. Nickel. Alors, hop, charge d'outils de mission suivie. Ouais. Là, j'ai un truc là-bas. Là, on a le téléporteur qui nous a ramené là. On a un petit chemin là. Un grand là. Kezako, prendre. Oh, le grub. La seule bouffe dans tout l'univers qui goûte exactement le son café. Ok. Ok, bah écoute, ça va, Zaika, merci. Merci. Ça va agir. Bip. Ok, donc faut que je mette un truc à côté. Ok. Ah, il s'énerve. Ah bah non. Il va juste s'énerver. Ok. Oh. Il y en a plusieurs. Cool. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Elles sont passées où? Le javelin est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à... Ah, c'est pas l'atterrissage du siècle, mais au moins on a survécu, pas vrai? Effectivement. Sac de déploiement des cartographes. Les cartographes les surnomment affectueusement la couveuse. Enfin, c'est tout à fait le nom qu'ils lui donneraient s'ils étaient des êtres sensibles. Les réservoirs sont intacts, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Et on a la conduite du carburant déchirée. Bienvenue chez toi. Et tout ça, ce qu'on va devoir réparer. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et le scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Ok. Cette machine te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps avant d'imprimer une copie 2 mètres plus loin. Ok. Vous entendez bien d'ailleurs le... Les voix ou pas? Il est cool le nouveau manager de Fortnite. Nouveau manager de Fortnite. Ouais, bah il est déjà plus là. Il dit qu'il vient et en fait il cherche ailleurs. Ah bah. Ah, c'est notre panneau manquant. Bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le javelin est presque intact. Il a juste besoin de réparations mineures au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Ah, okay. Les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, je vais le marquer. Je vois une surface fragile dans les environs. Scanne la zone pour confirmer mon analyse. Ces cristaux ont l'air très fragiles.
Donc ça est très mal placé. Excellente force, elle peut être détruite. Eh ben, on dirait que tu vas avoir besoin d'un nouvel outil si tu veux aller plus loin. J'ai ajouté un nouveau schéma à l'imprimante 3D du Javelin. Ça devrait faire l'affaire. Mais pour l'imprimer, il va falloir que tu récupères quelques ressources de base provenant de la faune locale. Ok, donc ça. Ok. Ok, ça me charge. Appuie sur A pour donner une claque ou un coup de pied. Maintiens 1 et relâche pour donner une méga claque. Oh! Trop stylé. Oh! Clac, 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 clac. Yonax, on tu vas à la farm? Cache-toi! Oh, on veut des claques. Avec toi, je me sens un peu mal. Ils sont tellement cute pis plein de jus. Oh, mais c'est ça. Ouais, là, t'as découvert les valeurs antinutritives cachées du grub. Hello, Oxmo, comment tu vas la forme? Ah, nickel, ça va. Nickel, nickel. Eh, alors comment le premier jour sans ta copine? C'est pas le premier jour, je suis depuis samedi tout seul. Samedi matin, je suis solo. Ouf, je retourne là-dedans, moi. Deux jours. Ah, depuis samedi, on est mardi, ça fait pas deux jours. Et ça y est encore. La nouvelle du t-shirt et de la go. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. J'ai justement eu un mail ce matin ou hier, je sais plus, qui disait que bah, c'était passé à l'étape suivante, quoi. C'est faux, 3 jours, 4 jours. Ça fait depuis aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 4 jours, tu vas y arriver, Axe. du coup, on va se faire un petit pistolet, hein. Ou une pistolet. Imprimé. T'as une arme maintenant. L'outil le plus primordial de tout bon colon. Ah. On est un colon. Très bien. Miam, ça c'est bon. Grub, le jeu alimentaire ultra populaire 100% artificiel. Fais pas ton snob, mange du grub. D'accord. Pour la Galactique Régionale 9, ne convient pas au territoire mondial. Attaque. Moi j'ai trop de réservoir. J'ai trop hâte de recevoir le t-shirt et le tapis de souris. Ça arrive aussi, Nox. Nox, moi qui pète un câble, mais carrément. Ok, du coup on a pistolet. En théorie, c'est comme Apex et Borderlands et bien avant. Je sais plus le jeu qu'avait joué Ayrez et. Et le jeu avec qui d'ailleurs? Enfin, je sais plus comment il s'appelait. Un ancien jeu. Titanfall, voilà. Vous voyez, il y a le nombre de munitions sur l'arme, 8 balles. Bah, du coup. Du coup, pourquoi ça brille? Je peux le scanner? Ah, on peut scanner les bêtes d'ailleurs, ça va. Voilà. C'est pas chaud. Truc là. Les oiseaux globes en ont peut-être pas l'air, mais sont beaucoup trop salés. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues. Thérapeutiques. C'est des drogues ou des bonnes drogues? Et à ça, on avait pas vu. Ça, c'est pas des roseaux. Ok. Tout ça, on l'avait scanné. Il faut que je tire dessus, c'est ça, du coup? Ok, ça. Hoppa, ok. Ok! De recevoir, oui, j'ai vu. Le petit mob soon, mais c'est ça, bientôt ça arrive. Ok. Ok, bah là y'a rien, ok, faut sauter par là. Très bien. Très bien, très bien.
peu de bordel sur mon bureau, hein. Ça fait longtemps. Ok. Alors, de nouveau. J'essaie de trouver les chemins pour éviter d'utiliser un maximum de balles. Par là. Ça, c'est le nouveau truc, ça. Faut pas scanner ? Tu vas peut-être trouver ma question bizarre, mais vois-tu une sorte de grande tour à l'horizon? Et je te demande ça parce que mes systèmes semblent bien fonctionner, mais selon nos premières analyses, il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici. Et là, eh ben, je vois complètement le contraire. C'est où, ça? Je vais tout de suite contacter tes supérieurs. Un instant. C'est là? Celui qui parle? C'est quoi, ça? Extraterrestres qui sont pas encore éclos font des super trampolines naturelles. Non. Moralement douteux, oh. Efficace, ça c'est sûr. Ok. Et dès qu'on a déjà scanné, en fait, ça nous donne la référence du truc. Je viens de recevoir un message urgent de la part de notre PDG concernant la tour. Tu peux le consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches. Peux-tu les scanner? Source d'eau chaude naturelle. On doit scanner, il y a plein de trucs. Le parrain, oh, le big boss, le chef. Ça, c'est une différence, attends. Ah non, ça c'était lui qui était différent. Ok. Ok, le lasa, hein. Le lasa. Quoi? Peut-être que si on super aliment extraterrestre. Aval et tais-toi. Avec ta réserve d'oxygène, je pourrais modifier son effet sur toi et comme ça, tu supporterais mieux le climat local. On va manger, hein. Les effets à long terme sont inconnus. C'est à toi de décider si tu veux l'avaler. On le bouffe? Ça peut être bien, faut... c'est juste le long terme qui peut être chaud. On le bouffe. Ok. Pas mal, c'est pas mal. Monter. Ok. Je sais pas si on a des dégâts de chute. Donc tout ce qui brille, faut le découvrir. Ah non, on le connaît déjà, ok. On le connaît déjà, ok. Ok, ok. Ah, il y avait un mammouth par ici. Oh, il y a une entrée là. Oh. Secret à proximité. That. Oh. Veine de carbone. Ouvre à grand coup ce riche dépôt de carbone pour prendre les précieuses ressources qu'il enferme. D'accord. Des claques. Ok, des claques. On va le bouffer, hein. Ah. Ok. Loin. Ces ossements sont plus anciens que tout ce qu'on a pu trouver sur cette planète. Une plante carnivore charmante. Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes. Fac, vas-y, mollo. Ok. Ah. Je vais scanner l'entrée. Go voir. On peut pas.
On a encore un, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, je vais manger, après je live, donc à plus fast, c'était cool de te voir, de revoir en live. Bah merci beaucoup Alfix, bon appétit à toi. Bon appétit Alfix, et puis à bientôt. À bientôt. On dirait que la porte répond à ta signature énergétique. Une bonne décharge électrique devrait la désactiver pendant un bout. Je mettrai ta boussole à jour si les cartographes trouvent quelque chose qui pourrait faire ça. Donc, cette amélioration serait extrêmement utile. J'ai envoyé une demande à Kindred, mais il reste encore à localiser les ressources nécessaires sur cette planète. À suivre. Ah, ça c'est ce que j'appelle du métal. Ok. Ce truc hallucinogène là qu'elle avait dit avant. Du coup c'est du métal. Claque une claque là-dedans en sautant. Ça a l'air dégueulasse que tu viens de ramasser, c'est tout mou, ça rebondit. Chelou là. Ah okay. Ok. En gros j'ai créé des trampolines quoi. Très bien. Très bien, très bien. Je crois que j'essaie de monter au-dessus du coup. Oh. Oui. Ok. Ouh, je crois que j'essaie de poser un trampoline. Ok. Certainement. Ah, ok. Ma touche pour lancer est également ma touche. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ma touche pour lancer, c'est ma touche pour la gauche. Moins bien ça. Mais non, le retour de Fabio Sancho, aloha, comment tu vas la poule? Tac, 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 tac. Alors, on a un truc pour lancer. Qui est Q. On veut clairement pas. Ça va être utilisé l'outil. Clairement pas envie que ce soit Q. J'aimerais que ce soit genre clic droit en fait. Ah, c'est où le truc? Découvrir sa copie, esquiver, se déplaner, interagir. C'est l'outil. Ok, ça. Ça doit résoudre un peu les problèmes. Tranquille, tranquille, et toi, bah, écoute, ça va. Ça va bien, merci. Non! Calmez-vous, calmez-vous. Ok. Quand tu veux pour voir pour les soirées comme... Ouais! Il y a ce quand tu veux toi. Quand tu veux toi du coup. Là c'est full hallucinogène. On va mettre quelques claques aux autres trucs là. Ça va être marrant de leur foutre des claques. Ah, trop proche de la plante là-bas. Comment ça, ça a explosé. Récupère la matière.
dans les trucs du coup pour rebondir. Laisse-moi passer. Ah. Bon, demain je passe un examen, je suis dispo après. Ok, ça marche. Et par là-bas on peut y aller. Il y a l'air d'avoir un chemin. Là aussi on devrait essayer de monter. C'est vrai, on peut monter par là-bas. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs. Un truc, on va les bouffer. Ah merde! Ah bah. Ok. Ah. Il y a des trucs là. Ah, ça. C'est pas gentil. Je sais pas si j'ai mal infini ou pas. Ok. Ouh. Alors, ça. Et j'entrerai pas là-dedans si j'étais toi. Ok. Ok. Hello Calou, comment tu vas? Comment était la reprise? Bon, j'ai repris le taf hier et je me retrouve à travailler un peu plus que prévu. Et ça va. Et toi? Donc au calme. Ah bah oui. Mais profite hein. Profite. Ok. Oh putain. Du coup, il y a des nouvelles espèces là. Ok, ça. Si feuillu, si pulpeux, si luxuriant. D'accord. Un mur fissuré. J'ai une petite idée de ce qui s'est passé ici. Je pense que des explosifs ont été utilisés. Cette amélioration serait extrêmement utile. J'ai envoyé une demande à Kindred, mais il reste encore à localiser les ressources nécessaires sur cette planète. À suivre. C'est comme un calmant bien normal. À part qu'il vole et qu'il est gros. Tu m'as attaqué avant, hein. Là y'a rien. Okay. On s'est scanné, ok. C'est comme un oiseau globe normal, mais tout ridé. Poule. C'est quoi le but de ce jeu? Je connais pas. Bah écoute, je sais pas trop non plus, mais a priori on est là pour explorer une planète. Et ces plantes pourront pas être pollinisées sans graines à grappin. Découvrir ce qu'il y a sur la planète sur laquelle on est. On a notre vaisseau qui est cassé. On doit le réparer et trouver un moyen d'habiter cette planète. Un agrume charnu prisé des frugivores de cette planète. L'embrasser ? On connaît.
Oh, c'est quoi ça? Cette bestiole pense que tu vas l'exterminer. Oh, et en plein dans le mille. What the fuck? Ah mais c'est devenu deux. En plus ça m'en tire avec. Moi oh, j'en veux tout plat qui crie. C'est produit à combien ça? Attends, est-ce que d'ailleurs je peux le rescanner? Alors ça devient un nouvel espace qu'on sait bleu. Reviens. Là-bas. Ça nous fait une nouvelle quand ça. Oh, ça devait être des jaunes! Mais what the fuck? Il est passé où? Attends, tu tires sur un, il devient 2, il devient 3 ou je sais pas combien. What? What the fuck? Je me sens passé où? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Elle est où? Encore? J'ai jamais voulu autant m'autodétruire qu'en ce moment. Mais what the fuck? Du coup, le jaune il devient encore plus ou... Voilà. Ah non, le jaune il meurt. Dommage. Ok, c'est marrant. Parce qu'on a scanné avant. Bah le jour où j'arrive là-bas, merci. Pas ce bruit que j'ai entendu. Là-bas, des ressources. Prendre pour le carnivore, pas mieux qu'avant. Nouvelle. Ces branches se sont entrelacées à une créature locale pour survivre. Ah oui. Ouh, je peux pas tirer dessus, ok. Des ressources derrière. Du coup on va aller chercher là. On va aller chercher celle-ci. Ah oui aussi j'ai un message de Remus qui pleure parce qu'il peut plus te voir, il a plus de 4G. Ah ben, je sais pas quoi dire hein, dommage pour lui. Et on va aller rediff. On dirait une plante qui se serait ancrée à son environnement. Si t'as un grappin, c'est là que tu devrais le lancer. Je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un. C'est gentil. J'ai pas accès au journal. Je vais briser, relâche pour long. Détecteur de grenade. Ok. Mon requin en découvert. Ah, j'ai pas de soucis. Pas de porter et tenir des fruits électriques. Ok. Les grappins, ok. On n'a pas les éléments. Très bien. Du coup, ça c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. On connaît, ça on connaît. Okay. Du... Quoi?
Ah. Par là. 39 mètres. Truc à découvrir par là. Et après, c'est l'autre côté à 400 mètres. On va prendre là, j'ai un truc à 39 mètres. Recréer à proximité. What is this? Oh là, y'a un truc là. Des œufs. Bon, juste au cas où massacrer les adultes, c'était pas assez sadique. Et de l'herbe. Ça, c'est pas de la mauvaise herbe. D'accord. Ah, on peut la casser. Par contre, ça se récolte pas. Ah, c'est les petits trucs qui font ce bruit là, mais... Bon, je vais me prendre un gros truc dans la gueule. Là, c'est nouveau ça, mais... Non, il agit pas. Oh, ça par contre. Ouvre un grand coup de... Un grand coup sur une dépôt de silicium. Silicium. Pour t'emparer des précieuses ressources qu'il en fait. Ok, bah go. Ah, il y a plein de ressources derrière lui là, je veux ce que t'as derrière toi s'il te plaît. Nous faut qu'on essaye de monter. Tu peux mourir ou pas? Je sais pas. Je sais pas, mais je vais éviter. Là j'ai des lianes. Pareil, je sais pas par où les prendre en fait. Qu'est-ce que c'est que ces créatures, j'espère. La tue n'est pas à l'échelle. J'avais pas vu. Et là, prendre Géniane là. Et là, on est au-dessus de ça. Que ça passe. Ok. Ça passe. Bon là, je sais que ça tente, mais ce saut-là dépasse clairement les limites de tes capacités actuelles. Mais t'inquiète, les cartographes ont trouvé le gisement d'un fluide très rare qu'on pourrait synthétiser pour en faire du carburant à propulseur autonome. Concentre tes efforts d'exploration là-dessus. Ok. Un cadeau au pop. Gagne un booster supplémentaire en plein vol, appuie sur un... Ok. Pardon, j'ai ma souris qui voulait plus rien répondre. Du coup, je vais peut-être. Peut-être aller en faisant ça. Ok, non. Oh! Oh, trop bien. Oh, ça c'était bien ça. Oh, tellement bien pensé ça. Je pense qu'on peut mourir vu comment la caméra s'est mise à trembler. Je pense clairement que... On peut crever, hein. Ouais, ouais. Le secret à proximité, du coup, c'est dans la cascade. On fait ça. Il revient dès que je suis là. Ça réapparaît dès que je suis là, le secret. Il va être au-dessus, je pense, hein. On la lave là derrière. Je sais pas. Je vais remonter un petit peu, on continue d'explorer le reste. Merci du coup d'avoir moyen de monter là pour aller là-haut. Et c'est pas mes trampolines qui vont me ramener là-bas quoi. Voir ça avance, ça rebondit pas assez loin. C'est une nouvelle espèce, hein. Ah non, c'est ça. Incroyable.
Copine. Waouh, c'est juteux ça. Bonus time. Ok. Ok. Nous. Je vais passer par là, j'avais même pas vu. Ou ici, c'est la prochaine zone à explorer. Ok, à ça. Des prismes rectangulaires. Molotov castique. C'est une veine d'aluminium pur. Ok. On va aller par là. Bon, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Que c'est que ça? Toujours quoi? Toujours moins explosif qu'un ado humain, étonnant. Oula! Ok, ça se traverse. Ok. On dirait qu'il est tombé de la tour voisine depuis au moins 400 ans. Pour les grappins, mais pareil, ça du coup. Hein. Je crois qu'on l'a mort. Cette action est si incroyable, t'as vu ça? Oh. Cette capsule a été conçue pour protéger son contenu des ravages du temps. Une bonne gifle dans le rocher. J'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Et on remue sur eux. Un genre de moyen de transport. Si tu le rallumes, on pourrait te tuer ici et créer un clone de toi dans l'un des autres que t'as déjà activé. Ah, excuse. Je devrais plutôt dire téléporter. Ok. Ouais, ramasser. Du coup. Avant d'y aller, Kindred dit que je dois te lire ton contrat de 400 pages qui dégage de toute responsabilité. Voilà, c'est fait. Super. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusque-là. On va retourner là-bas. Ok. Là-dedans. On découvre. Ah, prêt à fabriquer, ok. Dégâts amplifiés. La faune locale te paraît un peu trop coriace. Boost tes tirs avec cette amélioration. La batterie de ton arme à feu tire plus, recharge moins. Si l'on croit le schéma là-haut à droite, sous le logo Moselle, plus une balle. Surcharge ton pistolet pour enfiler un tir unique aux dégâts amplifiés, appuie sur R lorsque l'arme est totalement rechargée pour l'activer. Ok. On va déjà amplifier les dégâts. Parce que l'amplification des dégâts, ça prendra un peu de deux là. Final.
Sentir plus fort, il y a moins besoin de balles, et puis sentir plus fort, il n'y a pas besoin d'avoir une supercharge. La voix québécoise aussi. Mais c'est trop bien la voix québécoise. Et non, on repart pas, reste. Comment ça, je repars alors? Ok. Il est taré. Vos restes de viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles. Quelle bête! Ou pire, dans les toilettes, dégueulasse! Grâce à MeatBody, retrouvez le sourire en réutilisant vos déchets de viande. Ah, mon terre. Un chaleureux compagnon reconstitué fait partie. On va go, hein? On tourne là-bas. Et du coup, on réapparaît dans le truc ou faut se rattraper le chemin? Non, on réapparaît dans le truc. Putain, okay. Mais là-bas, il manque un truc là-bas. Il manque un truc, hein. J'y retourne. Pas moyen. C'est à 400 mètres. Je vais retourner avec ça, hein. Le site TP. J'ai ma 4G5 et please acheter le robot. Achever le robot qui fait quoi. T'inquiète, t'inquiète. C'est à 19 mètres. Qu'est-ce que. Tu vas faire là. Alors là, je comprends pas. En fait, c'est juste mon vaisseau, c'est pas. En fait, ouais, c'est mon vaisseau, c'est pas un truc que je veux découvrir. On retourne là-bas. Elle est trop bien là-bas, mais de ouf. Mais de ouf. Du coup, là, j'ai un truc à 50 mètres. Au sens dont j'ai besoin. Pour justement. Mes nouveaux outils. C'est comme des buissons qui brillent, mais en plus paresseux. D'accord. Droite, gauche. Oh! Joli ça. Ça scanne pas. Venez, ça c'est des copains. Oh! Il y a un petit rhume. Ok. C'est joli. Oh! Et on connaît. On récolte. Ça pas les pierres rouges là. I can gifle you. Tu connais mon amour pour les Québécois. Bah du coup maintenant oui. Effectivement. Oh oui, il est au courant et moi aussi. Salut grand couillon. Bah merci beaucoup Entari. Comment tu vas mon grand couillon? Merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup Entari. Ça se scanne. Ça brille. Et ça pourrait être utile. Ok, bon, on ramasse. Oh, c'est une lanterne. C'est tellement nice. Ah. Par contre, faut pas scanner, quoi, en fait. Scan, t'es foutu. Je crois que je peux. Riche fileuse, à part. Ah, gélatineuse. Ok, donc en gros, faut que je le ramasse une fois. Et il faut surtout pas que je le repose. Okay. Ou pas que je scanne un truc. J'avoue, Sparkalou, non sub, waouh. J'ai une seule question, est-ce que tu as fait Shadowrun? Non, pas encore, on le fera en live du coup. Ok, l'offre Emus plus tout, j'ai pris FG. Ah bah c'est vrai, elle a pris Fall Guys à cause de toi. Alors si tu scannes, tu perds la lanterne. Oui, je viens de caler. C'est pour quel que tu rembourses, t'as pris le chien, non. Quoi, t'as pris le chien, non. Ah! Le perso. Non, j'ai pas pris le chien comme perso, parce que... j'ai fait choisir le chat. Et le chat a choisi l'aviateur. J'ai en main du coup. Et en gros, c'est pour dire bah, que là, c'est nouveau éclairé que je peux reprendre, donc le retour.
Du coup, ça, ça se scanne. Waouh! Hey, on est peut-être en train d'admirer la première œuvre d'or extraterrestre jamais recensée. L'aviateur se BG. Ça écrit quoi? Maladif. Mais il t'aime quand même. Ah! Hey. Du coup. Là. Merde. Et oh, là. Comme ça. Et là. Wing. Ok, non, on va passer loin, on va passer loin. Ah, si je cours. Oh oui. Oui. Nice le. Élevé et analysé. Oh. J'avais ça sur moi. Ah, c'est quoi le prix correct pour une Switch? 200 balles. Bon travail, t'as maintenant toutes les ressources nécessaires à l'impression d'un nouveau propulseur flambant neuf au module d'habitation. Même s'il n'a jamais été testé et qu'il est probablement super dangereux, je te garantis des heures de plaisir. Non. Je me fais spammer sur... C'est moi sur Facebook, je suis désolé. Hein. J'ai oublié de fermer la page. Ok. Ok. Je me fais spam, hein? C'est le succès que je suis en train de faire là, c'est ça? Parce que j'en tue à la chaîne? Ah, je croyais j'avais des amis. Ah, désolé. Perso, j'ai jamais de notif. Bah moi, d'habitude, j'en ai pas non plus. C'est moi qui fais des notifs aux gens. C'est jamais les gens qui me font des notifs. Ok, du coup, on ressort. Oh putain, lui ça fait dégâts, chut. Mais je peux sortir par là, mais quel guignol! 100% guignol. Il y a plus rien. Oh, lanterne. On y va. Je viens de finir de voir la série de Zerator sur ce jeu. Si j'avais su. Ah merde! Bah bravo hein. C'est bien Tarimanos, tu pourras donner des tips. Oui aussi, c'est vrai. Qu'il se démerde à la fin. Un peu. Nice. Écoute, merci pour l'accueil. Ok. J'ai un truc autour de moi. Non. De nouveau les calamars. Là, je crois qu'on va monter. Hein. J'essaie de monter là. Moi de monter là. Moi, je... Ah! Saloperie. On peut monter en faisant du jump. Mais arrêtez de me spammer. Oui, nice. Ok. Ok. Attendez, je me fais spam, mais on m'appelle. Je reviens, je fais juste une petite pause, bougez pas.
Ok, re, désolé. Du coup, c'est bon. C'est pas un appel sur urgent que ça, c'est réglé. Alors, du coup, reprenons. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Je me suis dans... Non, j'ai pas spoil, c'est d'abord à la fin. Non, mais genre, c'est un truc qu'il capte pas. Juste pense bien à tout scanner et sache qu'il y a machin pas... Pour pas spoil, avec des messages dedans pour l'heure. Oui, ok, ça marche. Alors, ça, de toute façon, scanner, ça, je le fais déjà, je scanne un peu tout depuis... À un moment donné. Enfin, depuis le début, quoi. Donc, pour l'instant, ça, c'est ok. Mais ça marche. C'est par là-bas que je dois aller. Ok. Je vais mettre un petit truc. Ah, j'ai plus de rebonds. Merde. Ça marche. Non, ça marche pas. Ah. Les rebonds, je les avais comment avec ça, je crois. Ça, je suis plein. C'est la même chose. Ah non, c'est bon. Du coup, je pouvais monter par là, je me suis un peu fait chier pour rien, je crois. En fait, je me mets un rebond ici. Voilà. Donc ça, on va là, ok. Là, ça se saute. Là, ça se saute. On se met un petit rebond. Et hop là, un peu loin. Ok, du coup on est déjà presque là. Bon, ça se scanne. Tu peux faire le jeu sans presque jamais utiliser les ressources, donc pas de panique. Au passage, tes ressources peuvent t'aider à tuer les mobs, même si le jeu est méga sain. Ok. Pas mal. Bon, il faut que j'aille là. Je vais essayer de retrouver un machin. Voilà, ça repart. Par plein. Ok. Je peux pas rester plus longtemps. Passer un bon live. Ça marche, Calou. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, c'était super gentil. Puis des gros bisous, à la prochaine. Hein. Comme toujours. Tu sais où me retrouver. Ouais, je me... En vrai, ça va être par là, on va monter. J'ai arrêté de courir. Ok. Est-ce que si maintenant je fais un double, je peux sauter plus haut? Ça marche pas vraiment. Okay. Ça ne fonctionne pas vraiment. Ah, c'est peut-être pas vraiment comme ça qu'on y va. Hein. Je vais regarder l'autre côté. Fallait qu'il tente de tout casser. Et non, je tente pas de tout casser. Tente des trucs. Les oeufs qui piquent. Bon, tu sais ce que le streamer doit faire et que tu te forces à te taire. Moi je veux aller chercher les trucs de métaux là. Non. Ça va vers l'arrière, non. C'est vrai qu'on voit alors un indice.
Ah putain, j'ai les yeux qui grattent. Oh. Bref, moi j'y vais, faut que je prépare des affaires pour demain matin. Ça marche, Camus, des gros bisous. Des gros bisous à demain. Aussi, là, on doit pouvoir monter, là. Des trucs là-haut. J'ai pas repris de. Trampoline avec moi. Explorer le reste, hein, tant pis. Bah non, ça tourne en rond. Derrière moi. Bah c'est fait. Il va grave avoir moyen de faire un truc par là. Hein. Là, ça me ramène là. Là, ça me ramène là. Là, je veux bien, ça me ramène nulle part. Mais là, et quelque part. Et ensuite. Toi, calme-toi. Ensuite, là, je dois bien pouvoir. Un truc là. Déjà. Un inventaire là. Que ça là, ça sert à quoi encore ça là? Lutte frileuse. À quoi? Hein? Ah ok. Ça tue les mobs du coup. Ça les ralentit très bien. On tue tout ma gueule. Ça s'en rend pas là. On va aller là-bas. Hein. Truc là-bas. Je sais vraiment pas. Ça là, on n'a pas pu aller là-haut. Passer par là. Un grappin, à mon avis. Je voulais que ça marche pas. On va les fouiller un petit peu en arrière. Je veux dire, on a dû louper des trucs avant. 100%. Sur la porte là. Ah là, à mon avis, là, un truc à faire là. Ça déjà, ça on n'est pas allé là. Oh. C'est quoi ça? Ah si, c'est là qu'on vient. Excusez-moi, ça avait pas la même gueule de l'autre côté. Hein. Ça paraît du coup, faut revenir par là. Elle est là et puis faire un truc là-bas. Oh putain! Oh non! Merde. Ah! Calme-toi. Je vais pas te looter. Ça donne des ressources. Avant j'ai rien eu.
Y'a un truc qui se mange. Oh. Oh! On voit les balles. Y'a un truc là, non? C'est bon. C'est quand même ça? Non, non, non. Bon, ça touche giflé. Une entrée de dragon là. Ah bah et... plan de grappin. Ah, faut un grappin en fait pour tirer là dessus. Ok, ça ramasse pas. Ok. J'ai journal. Ah, on peut aller fabriquer ça. On a ce qu'il nous faut. Go! Go! Let's go! Ah! Je ne courrai plus. Attends, je vais courir, elle est éclatée. Je sens un propulseur. Oh, j'avais été déconnecté du chat, désolé. Bonjour. Bonjour. J'ai peur aux créatures. Non, c'est pas vrai. Là, elles me font peur. Déjà. Pas mélanger les rôles, hein. Là, oui, je sais, je sais. Le TP, je sais, j'avais déjà pris. Tu peux fabriquer une amélioration, si ça me tente. Oui, ça me tente, j'ai vu. Ouais, je vois. Alors. On va faire les propulseurs, du coup. Voilà. Tu vois que t'as amélioré ton propulseur autonome. Même s'il n'est pas encore à son plein potentiel, il devrait te permettre de te rendre à des endroits qui n'étaient pas accessibles avant, avec un minimum d'émissions de polluants atmosphériques en plus. Ok. D'ailleurs, pas mal. Ah, d'ailleurs. Peut-être débloquer. Ça. Hein. Ça arrache les cheveux. Et ah, vu qu'on a assez. Ah, ça, on a acheté toutes les améliorations qu'on pouvait avoir. Nice! Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au jeu vidéo. Ça fait plaisir. Température ambiante, 33 degrés Celsius, biomarqueur luminaux. Petit double saut. Pourquoi plus on volait à tenter de côté où on a un parce que... Ah oui, ok. Oh, nice. Sympa, sympa. Ou si je reload, si je fais reload et que je refais un petit air, ça... J'ai un gros... Ouh. Ça marche. Et que pendant le machin, du coup, je pense. Là. Faut presser R au bon moment. Ouais, je viens de caler. Ah, il faut qu'il recharge. Sympa, sympa. Du coup, là, on devrait pouvoir monter sur les trucs de... les passerelles, non ? Là, 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 on a des trucs, déjà. Il veut dire que si, là, je prends ça. Je mets là. Toi, tu vas te calmer. Essayons. Juste à côté de la jauge.
Comme sur SWF2. Aucune idée de quoi tu parles. Ah, clairement, je l'ai pas, Michel. Hein. Hop là! Contrairement aux grenades qui tiennent habituellement dans le creux de la main, cet énorme spécimen était impossible à soulever. Ok. Et je suis capable d'aller jusque là. J'envoie un truc là-bas dedans, c'est ça? Merde. C'est là. Pas certain à prendre, on peut prendre. Oh, ok. Ok, du coup, faut aller de là à là. Lancer ce truc là maintenant. Le prend et que tu sautes, bah, il disparaît. Ah non, il a un temps. Ok, il a un temps. Merde. Moins cool. Ok, ok, ok. Ok. Ah, hop. Ah, déjà. Que toi. Déjà là on a beaucoup plus de possibilités qu'avant. C'est ça. Oh. Voilà. J'avais pas vu. Du coup, tac. 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 Ah. Oh là là, ce speedrunner. Et du coup, en fait, on revient là. Ça, c'est relié ici. Non, c'est ancré dans mon cerveau. Ok. Ok. Attends. Ah. Dans le plein de ces choses. C'est-à-dire que là. Quoi? Que va? Non, j'arrive pas à accrocher là. Ça grippait très bien. Et très bien. Donc là, on doit avoir peut-être monté là. Ok. Et là, du coup. Hé hé. Ça me sert à rien. Et du coup, après, c'est là-bas, mais. Mieux que le grappin en fait. Retournons voir là-dedans. Il y a un truc ou pas?
Merde. Yeah. J'ai air. Ouais, ici c'est full loot, hein, y'a rien. Hein. Faut tout looter, hein. Pas de petit passage, y'a rien. Oh. Ah. Je fais de regarder là. Hop. On va pas revenir pour rien. Ok. Voilà ce que nous dit notre radar. GPS. Ah bah. Ah bah voilà. On n'avait pas vu ça. Ok. Ah. Ah. Picote. Force suivante remplie de butin pour l'ouvrir, inspecte les environs afin de rassembler les indices. Incroyable! De trouver une autre pépite pour l'alliage pour chercher, ça devrait me permettre de finir les réparations. Je te félicite pour ta grande autonomie. Oh nice! Okay. Je l'avais vraiment pas vu ce truc là. Heureusement que je me suis rappelé que j'avais une boussole! C'est beaucoup plus facile que pour y aller. Ok. Ok. J'arrive. On retourne. On retourne ici. Ouh. Pas mal tout ça. Alliage extraterrestre. Vos restes de viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles. Quelle perte! Ou pire, dans les toilettes, dégueulasse! Et oh. Grâce à vous, m'a rapporté l'alliage, parfait. Maintenant, je devrais être en mesure de finir les réparations du diable, mais tu pourras éventuellement quitter cette planète. Ça aspire comme ça? On dirait que l'alliage est parfait pour la fabrication de. Attends, on parlait tous en même temps. Ok. C'est quand même une zone de descente plus vaste, ok.
Cadeau, c'est bon. Ah bah du coup, on l'aura pas tout de suite. Un autre alliage, ça il faut des trucs violets là. Ah, ok. En gros, il nous faut de l'alliage extraterrestre. Ok. On a pas eu beaucoup plus. Les amis, moi ce que je vous propose, c'est que on reprenne demain à partir de là. Demain, même heure, on se retrouvera à 19h. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'être passés. Et ouais, Antari. Désolé, on reprend doucement, mais sûrement. Du coup, demain 19h de nouveau. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie à tous d'être passés. Merci beaucoup pour tous vos subs, vos donations de bits et vos encouragements. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous pour cette reprise. Portez-vous bien, bonne soirée à tous. À demain 19h. Ciao, bye bye.